occupe le poste de chef de projet en recherche et développement sur la partie alimentation infantile. Ça consiste à développer les nouveaux produits de l'entreprise en partant de la recherche des matières premières jusqu'à l'industrialisation des produits. Toute la phase de réalisation qui vont des essais laboratoires jusqu'aux essais industriels et la sortie de nouveaux produits. On n'invente pas tout seul, le service marketing et commerciaux souvent ont l'idée, nous la transmettent et nous on leur dit si cette idée est faisable et on réalise le produit pour répondre à leurs attentes. Sur l'alimentation infantile, on nous a demandé de créer une nouvelle gamme de produits. Donc c'était créer une nouvelle gamme de produits pour l'export. Donc du coup, on a fait l'état des lieux de ce qui existait déjà. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible de réaliser aujourd'hui ces produits via les lignes de fabrication qu'on avait. Donc une nouvelle ligne de fabrication a été créée avec le service R&D et d'autres services. Et au niveau formulation, ces produits ont été développés pour pouvoir répondre aux attentes de nos commerciaux. On recherche les matières premières, on commence les formulations en laboratoire, on fait les premiers essais laboratoires et on fait les premières dégustations avec les commerciaux pour qu'ils puissent valider ou non le produit. Par la suite, il y a un retravail jusqu'à validation du produit, des essais industriels pour tester le produit sur les lignes de production et il y a les premières productions et la dégustation finale qui permet de valider la première production avant envoi chez nos clients. C'est un travail plutôt intéressant, diversifié. Je ne fais pas la même chose toute la journée. On travaille sur plusieurs types de produits, que ce soit du jus, de la soupe, des purées ou même parfois des produits laitiers. Donc ça rend le travail plutôt intéressant. Oui.